Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo un peu bricolage, on va dire le bricolage du soir, puisque vous vous souvenez que ici Retroflag avait sorti des cartouches, des petites cartouches pour sa Super Peak Case, donc pour le modèle original, il n'y a pas eu un modèle spécial pour ces cartouches là, avec le tout premier modèle de Super Peak Case et unique modèle d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, ça fonctionnait. Eh bien, je suis pas forcément super satisfait de l'étiquette qui fournissait par défaut, là on voit ça dans le sachet, une espèce de simili Mario Kart. Je suis pas grand fan de leur boulot. Il y avait Mario Kart là, et puis un autre truc qui ressemble à je sais pas quoi en fait, la jaune. Bref, je suis pas super fan. Alors par contre, ils avaient respecté les marchés. Ici, c'était plutôt une étiquette de marché américain, et là plutôt une étiquette de marché japonais avec l'image qui prenait tout le visuel, sauf pour certaines où il y avait un petit bandeau sur le côté. Bon bref, peu importe, on va voir ça tout de suite justement. J'aimerais bien faire mes petites étiquettes custom, mais comme en vrai quoi, avec des vrais labels de jeux Super NES. Alors pour ça, on va basculer rapidement sur PC. Et je remercie notre ami sur Facebook, Emmanuel Hans, qui m'a donné un template ici sous Publisher dans lequel il avait déjà mis une petite vignette, un petit sticker, qui était allé chercher sur des sites que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ici, le site qui m'avait conseillé, donc que je vous mettrai en lien dans les commentaires, c'était celui-là. Là-dessus, il avait chopé sa vignette de Street Fighter 2, mais le seul problème de ce site, c'est qu'il n'y a que des jaquettes en version européenne, en fait, j'ai l'impression. Et j'en ai trouvé un autre, SNES Central, sur lequel on va pouvoir trouver les déclinaisons américaines et japonaises. Mais comme je vous disais en intro, moi je suis plutôt fan des jaquettes en version japonaise. Alors, je me suis déjà fait une petite compilation, là, vous voyez, sur la planche. Hop, je vous ai montré ça tout à l'heure, je vais le remettre. Voilà, mais il me manquait Axelay, là, un peu en référence à ma dernière vidéo dédiée à ce shoot mythique. Je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo, mais si ce n'est pas le cas, bah, allez la voir, elle est vraiment chouette. Elle était pas mal relayée d'ailleurs, elle a relativement bien marché. Alors je vais copier l'image, et je vais prendre ici mon fichier Publisher, et je vais la coller dedans. Alors évidemment, forcément le format de base ne va pas matcher, mais on va mettre tout ça en place rapidement. Hop, on va réduire un petit peu, tiens ça me l'a retourné au passage. Hop, on la remet comme ça. On se refait un petit zoom et on va bien s'ajuster comme il faut. Et effectivement, on va vérifier que le format soit bon. Le format proposé par notre ami Emmanuel. Mais je pense que c'est pas mal. J'ai déjà commencé à regarder. Ça avait l'air relativement de matcher avec la cartouche, la mini cartouche pour le boîtier de Retroflag. Voilà. Bon, le but, c'est pas d'en faire 50. Hein. De toute façon, j'ai qu'une cartouche. Hein, donc... Je vais déjà me faire ce lot là avec cette petite sélection. Alors au passage, hein, effectivement, moi j'étais beaucoup plus fan à l'époque des vignettes, enfin des stickers et même des boîtes, hein, j'ai envie de dire, dans leur version japonaise. Hein. Alors là, même si c'est pas de la Super NES, on le voit par exemple avec Sonic, j'étais vraiment fan de certains designs complètement barrés des japonais. En fait, c'était vraiment cool. Si vous regardez cette vignette japonaise, enfin cette jaquette japonaise, que vous la mettez en face de la jaquette française, ça a un peu rien à voir quoi. Hein. Bon, certes, c'est de la Mega Drive là, on parlait de Super NES, mais c'est juste pour dire que bah, que ce soit du côté de Sega ou de Nintendo, il y avait vraiment une politique différente concernant les jaquettes de jeux et les vignettes et les stickers de cartouches, et qui était selon moi souvent à l'avantage du Japon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je préférais toujours les jaquettes, clairement les jaquettes japonaises, que ce soit sur Mega Drive ou sur SNES, comme je viens de le dire, sur Axelay ou sur Street Turbo, on a vraiment la belle image qui fait toute la largeur, alors que sur Super NES c'était entrecoupé de tas de trucs, de labels, de machins, de choses, et au final je trouvais ça beaucoup moins joli. Bref, avis perso. Alors on va passer dans le vif du sujet. Je vais commencer par imprimer on va dire un gabarit, hein. Je vais pas tout de suite attaquer avec le bon papier, et je vous fais part de ce temps d'impression puisque je l'ai déjà là sous les yeux. Alors bah, je vais déjà me découper une vignette de ce gabarit, et on va voir si ça colle bien avec notre mini cartouche avant d'attaquer sur du papier un petit peu plus noble. Allez, c'est parti. Allez, j'ai ma première étiquette, c'est pas la peine de faire les petits arrondis sur les bords. On regarde si ça match, bah en fait oui, hein, c'est vraiment très bien là. Merci Emmanuel pour ton gabarit, c'est vraiment top. Simplement, bah, c'est déjà joli comme ça en fait, avec juste du jet d'encre sur un papier assez poreux. C'est un peu plus mat clairement et un peu plus clair que les étiquettes d'origine. Ici on a par exemple bah, justement déjà une vignette que j'avais personnalisée dans les années 90. La première fois que j'ai rencontré une imprimante laser, il y a ça qui est sorti dessus direct. J'aimais pas, ouais, je vous disais, j'aimais pas la vignette d'origine, hein, donc du coup je l'avais remplacée. Alors ça a un peu souffert, hein, on voit les dégâts du temps. Une étiquette d'origine aurait été peut-être plus résistante, mais bref, je m'étais amusé à faire ma petite vignette custom pour Street Fighter 2 Turbo dans ma Super NES originale. Alors, ok, verdict, ben, ma foi, c'est pas mal du tout en fait, hein, ça va, les dimensions sont bonnes. On va passer sur du papier glacé et voir ce que ça donne.
Allez, voilà le résultat sur du papier glacé. Ah ouais, là, c'est quand même autre chose. Hein. On va regarder un peu la différence par rapport à là. Je n'ai pas trop touché parce que l'encre est encore, n'est pas encore sèche. Mais on voit que bah, les noirs sont plus profonds avec notre papier glacé. Ouais, les couleurs, non, c'est vraiment super joli. Allez, on va partir là-dessus et je vais commencer la découpe, mais cette fois une découpe fine. Mais avant de me lancer dans la découpe, je vais d'abord chercher mon scotch double face, comme ça je vais découper en même temps le scotch double face. Mon scotch double face est vraiment tout fin, je vais en mettre des petites lamelles et pour savoir où se trouve l'étiquette, eh ben, je vais directement me mettre une lumière en arrière-plan, histoire de voir vraiment, de coller le truc au bon endroit. Allez, on se fait un petit accéléré, c'est parti. Ok, là c'est nickel, en plus j'ai de la chance, je tombe pile en face pour la dernière. Allez, maintenant on entre en phase de découpe avec cette étiquette accélérée. Et voilà, le tour est joué, voici mon étiquette accélérée, pas trop mal découpée. Il ne nous reste plus qu'à coller tout ça sur la cartouche. On va s'ajuster bien pile poil par rapport au bas pour être bien au centre. Là c'est juste impeccable, alors ce que je vais faire par contre, je vais appuyer avec un plastique, histoire de ne pas mettre mes gros doigts tout gras là-dessus. Et on sera bon là, c'est quasiment terminé. On dirait vraiment une petite cartouche d'accélé, c'est vraiment marrant. Peut-être ça manque juste un petit peu de couleur au niveau du jaune d'accélé. Ouais, l'imprimante n'est pas des couleurs super vivaces, mais c'est pas grave, ça fait quand même bien illusion. Alors comment ça marche cette mini cartouche? Et puis à quoi ça peut servir? Bah tiens, c'est l'occasion de le voir en vidéo, puisqu'on va mettre ça en place sur notre boîtier SuperPic Case. Alors ça se fixe pas comme ça, non. En fait, les gars ont pensé à tout. On met ça entre les deux ergos, puis il ne nous reste plus qu'à venir ramener la cartouche en contact. Et hop, c'est magnétique, ça tient tout seul, c'est magique. Et là, on ferme la Super NES et on se retrouve avec notre cartouche d'accélé, la classe. Alors, à quoi sert cette petite cartouche, outre le côté esthétique bien sympa? Bah, ça sert à mettre quelques petites cartes mémoire en plus à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Allez, on remet tout ça en place. Fin du bricolage. Là, honnêtement, ça a quand même plus de gueule que Retro SuperPic là. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais bref, je suis pas fan, je préfère ça. Salut à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!